Et le voilà. Voilà, c'est bon. Donc, bonjour, il y a une manif qui a été déclarée ici, là, place de la Bourse. Moi, je suis pas déclarant sur ce coup-là. Mais bon, on essaye de changer un peu la stratégie des mouvements des gilets jaunes, quoi. On essaye de faire quelque chose de différent et de rassembler, parce que moi je suis toujours en train de dire, ça fait au moins 20 vidéos que je fais avec Fred. Dans les 20 vidéos, je dis que le seul truc intéressant pour nous, pour lutter contre l'AFP, pour lutter contre tous ces gens, c'est les rassemblements de tout le monde, que ça soit de gauche, de droite, du centre, que ça soit des juifs, des chrétiens, des musulmans, et ainsi de suite, ce qui va marcher, c'est un grand rassemblement. C'est pas de dire moi je vais là, moi je vais là, c'est tout le monde ensemble, tout le monde doit être ensemble. C'est ce qu'on a commencé au début des Gilets jaunes. Donc là, on voudrait refaire un grand rassemblement avec tout le monde, que ça soit gauche, droite, du centre, de tout, voilà. Je dis, ça fait 10 000 fois que je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont endormis, et là avec tout ce qui se passe, il faudrait que ça bouge, voilà. Alors s'il y a des gens qui veulent venir nous rejoindre, même si ce n'est pas des gilets jaunes, nous on accepte tout le monde, ce n'est pas spécial gilets jaunes. S'il y a des gens qui attendent les syndicats pour manifester, s'il y a des gens, des étudiants qui ont envie de venir, c'est ouvert à tout le monde. Des gens de gauche, de droite, on accepte tout le monde, voilà. C'est surtout, on a le même ennemi commun, voilà. Donc si vous voulez bouger, c'est maintenant, voilà. Ouais, vite, c'est vrai qu'au lieu de couper, est-ce que je peux te passer quelques minutes le téléphone pour que tu filmes à ma place? Ouais. Comme ça, je vais faire un tour à l'endroit. Je te filme. Ouais, je mets juste le chargeur pour que ça tienne. Après, tu filmes, tu parles un peu à tout le monde, quoi. Tu fais le caméraman à ma place. Alors, par contre. T'en as pour longtemps, non? Pas 5 minutes, mais il faut quand même que je te passe ça parce que là, j'ai le téléphone qui met la connexion. Mais ça va pas trop long, hein. C'est... Attends, 3 secondes. Parce que c'est dommage d'arrêter en plein milieu, quoi. T'es en direct toujours, là? Ouais, je suis en direct, ouais. Bon, après, bon... Parce que moi, c'est vrai que... je suis pas vraiment d'accord avec tous les gens qui sont là. Mais bon, comme je dis, c'est un rassemblement. Il faut que tout le monde soit rassemblé. Voilà, il y a que quand on sera tous ensemble, que ça marchera. Comme on a fait au début avec Neige. Voilà. Neige acceptait tout le monde. Et il y a du monde, c'est vrai. Voilà, donc je te la passe quelques secondes, ouais. Et après je reviens. Si je peux prendre. Enfin bon, c'est pour aller tu là-bas. Peux donner là-bas. Ouais, ouais. Bon, si tu veux, tu filmes, tu fais le youtubeur. Hein. Voilà, vous avez endormi le peuple, et maintenant le peuple est traumatisé. Vous allez le payer. Et pardon, on y oublie. Et croyez-le ou pas, mais nous sommes nombreux à avoir compris ce que vous faites. Cette république. Merde! Un peu de percussion là pour alimenter la manif, quoi. Ouais, voilà. Et faut que ça bouge. Voilà. On vous lâchera pas! Et qu'on se rassemble toujours tous. On est des millions, ouais, des millions! Alors, les gens, bougez-vous, vraiment, venez, faites quelque chose, bougez-vous. Avec tout ce qui nous met sur la tronche là. On est vraiment dans une situation d'un système où l'ignominie est vraiment dominante. À un moment donné, ça suffit, il faut se lever, quoi. Il est nécessaire de bouger. Oui, voilà, bougez-vous tous, bougez-vous. Et merci aux percussions. Ouais, merci. Vous êtes, je sais pas comment le dire, là. Qu'est-ce que ça dit, là? Vous servez un gouvernement. Bienvenue dans la manif des gilets jaunes. Alors, nous sommes devant l'AFP aujourd'hui pour protester contre la propagande et les mensonges de la FP. Brigitte, grâce à l'AFP, toute la presse, Brigitte, et audiovisuelle, et audio, c'est des radios, raconte après dans toute la journée la même chose que leur dit l'AFP le matin. Mais c'est une honte! Sauf qu'ils ne font plus leur métier, la propagande du gouvernement, de Macron. L'inflation et tout ce qui va arriver, quoi. Mais c'est incroyable! Ils annoncent à l'avance le plan du gouvernement. Il a eu raison et ils de vous mettre en ça. Ils nous informent même plus sur ce qui se passe à l'étranger, par exemple. Ils ne font plus de reportages. Mais il va y avoir rien. On vous lâchera pas. Les dires de l'AFP, les dires de l'AFP, et tout le monde répète la même chose. Et donc, c'est une désinformation injuste parce que le citoyen n'est pas informé. Vos manques d'informations, vos fausses informations, ici, vos manipulations. La propagande et le mensonge. Ok, d'accord. Voilà. Je vais interroger. Tu es là, tu es là. Vas-y, vas-y.
Mesdames, messieurs, qu'est-ce que tu vas dire, Elena, là? J'ai le plaisir de vous lire un petit... T'en as dit dans la semaine. J'en ai dit, mais non, mais j'en ai plein à dire. Il y en a tellement, ouais. On ne sait plus lesquels. Moi, je dirais qu'à propos de la dette de la France, il faut que ce soit le gouvernement qui donne l'exemple. Et moi, j'ai plein d'idées pour réduire leur train de vie. J'ai plein d'idées simples, basiques et efficaces. Quelles qu'en puissent être les conséquences pour alors, lui-même, vous avez quelque chose à dire, non? Pas dans l'immédiat, mais je suis là pour partager ce qui se dit. On est loin. Okay. Deux, défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Trois, publier seulement les informations dont l'origine est connue. Ou les accompagner si c'est nécessaire. Laziz, qu'est-ce que tu as à dire là? Oh, je suis dégoûté. Non, dis pas ça, c'est en direct. Ne pas supprimer les informations essentielles. Division, c'est pas bon. 4. Non, tout à l'heure, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies ou des documents. Ça me rappelle la fois où ils avaient eu des images des Indiens qui étaient censés mourir du Covid et qui dataient des années 80. Ils diffusaient ça dans les journaux. Ne pas user des méthodes déloyales, j'ai déjà dit, je ramasse. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Alors, qui a pris le... professionnel et ne pas diluer la source des informations obtenues. Donc merci à Alain d'avoir été, de m'avoir remplacé un peu. La calomnie.